L'agglomération de la région de Compiègne organisait ce jeudi 13 mai le désormais célèbre défi mode récup. Le principe était simple, sensibiliser les citoyens à la gestion des déchets. C'est Béatrice Padellano, messagère au tri de l'Arc, qui s'est chargée d'animer ce spectacle. Ariel François représentait la mairie de Compiègne pour l'environnement. Elle a rappelé le concept de ce défilé de mode. Tout ce qu'elles ont sur leur dos, à part leurs sous-vêtements, c'est fait avec des trucs récupérés. Des jeux de cartes, des papiers, des plastiques, des films, vous allez deviner, des plastiques à bulles. À vous de deviner ce qu'il y a, mais vous allez voir, le résultat est génial. Sur la scène. Avec Martine et Monsieur Chireux, notre maire de Jonquière. La jupe, le haut, les bijoux et les pièces en manchette ont été réalisées avec de la mousse de polyméthane. Le lycée Mireille Grenet participe depuis des années à ce rendez-vous. Christophe Brasset, chef des travaux du lycée, souligne l'investissement particulier de la section couture floue. On a pu voir vraiment de très très beaux costumes réalisés par nos élèves de la section couture, section du lycée Mireille Grenet. Alors c'est vraiment une section très dynamique hein, qui s'investit beaucoup dans les projets. Aujourd'hui on a vu vraiment de très belles réalisations avec beaucoup de travail, de recherche de produits recyclés qu'il fallait intégrer dans les robes. Je trouve que les élèves participent avec vraiment plaisir dans ces projets, ils retrouvent vraiment beaucoup de plaisir et de motivation dans ces projets. C'est vraiment une section très très dynamique que je félicite vraiment aujourd'hui. Moi j'ai fait la robe en pellicule de cassette et le haut en plume d'autruche. Le fait de passer sur scène c'est un peu plus compliqué parce que ça j'avais un petit peu plus le trac, mais bon maintenant de montrer tous nos projets, moi je trouve ça bien. On a travaillé beaucoup sur ce projet là et puis présenter tout ce qu'on a fait et faire découvrir un peu à tout le monde qu'on peut faire de tout avec ce qu'on a chez soi ou ailleurs. Voilà une initiative riche d'enseignements. Favoriser le tri et la valorisation de nos déchets de manière ludique. Comme le rappelait le président de l'ARC en personne, Philippe Marigny, le déchet est vivant et revalorisable. Rendez-vous dans 2 ans pour une nouvelle édition. En attendant, n'oubliez pas de trier vos déchets.